Courte vidéo sur la pêche des loups à l'étang de Le Cat. Bon, j'ai un peu merdé avec cet enregistrement, d'où le doublage audio. Allez, je vous laisse avec les images. Bon, je fais des dérives. Donc j'étais en one-up 4 pouces, tu vois, couleur vert pailleté et blanc. Et là, j'ai essayé de me mettre en 5 pouces avec du blanc. Je suis en fin de dérive, je suis dans 1m50 d'eau. Il y avait pas mal de touches en début de dérive, tu vois, et là, là c'est calme en fait. Mais c'est vachement calme, quoi. Hein, même en changeant de leurre, il n'y a pas de touche. Il n'y a pas de touche, donc je finis un petit peu ma dérive et je vais me replacer, en face. Voilà, donc bon, j'ai quand même eu quelques touches ce matin, un petit poisson, mais j'ai pas trouvé vraiment encore la pêche. Il faut la trouver, cette pêche, on va la trouver. De la journée, il est là. Alors pareil, c'est un 30-35, mais ce coup-ci j'ai validé le one up blanc. Voilà, tu vois, puis tout à l'heure j'avais pas de touche, donc j'ai validé le one up blanc. C'est des petits poissons, hein, mais bon, là, ça fait une dizaine de touches dans la matinée et deux poissons au bateau. Bon, petite journée pour se faire plaisir. Il est beau. Il est pas mal. Bon, vous en pensez quoi, YouTube, qu'est-ce qu'on en pense? Pour une reprise de Gorgis Pêcheur, la reprise se fait plutôt dans des bonnes conditions. Ah, je suis content, joli poisson. C'est bon la pêche quand même. Hein, je rappelle que vous pouvez venir pêcher avec moi. Voilà, c'est possible. Juste, il faut me contacter en dessous là, sur YouTube. Tu me contactes et... Ou alors sur mon groupe, les amis de Gorgis Pêcheur. Tu peux venir pêcher, je connais des coins sympas. Je vous promets les enfants, mais je vous promets, j'ai des petits coins sympas. Ah, je suis content, la reprise. Cartouche que je viens de me prendre. Mais cette cartouche, waouh, incroyable, vous avez pas vu la touche. Mais je me suis pris une cartouche de la folie. Et là, c'est un joli. Putain, c'est un beau poisson. Là, c'est un beau poisson, les enfants. Une cartouche. Mais une cartouche, il m'a mis. Waouh, cette cartouche. Waouh. Là. Là, on est sur un... Il est dedans, YouTube, il est dedans. Putain, il est moins gros que l'autre. Oh, il est quand même beau, hein. Non, il est moins gros. Putain, il est moins gros, mais il m'a mis une cartouche et un combat. Putain, sa mère, il m'a fait un combat, celui-là. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'est le splash à l'attaque. Il m'a défoncé, il m'a fait une sensation. Une sensation incroyable. Une attaque, on aurait dû une carangue en Guinée-Bissau. Tu vois ces petits cibasses là. Vous voyez ces petits poissons là. C'est vraiment des poissons exceptionnels. Je les aime. Ils sont exceptionnels, ces poissons. Oh, les sensations. Waouh. Je me régale. YouTube, voilà, c'est la fin de la petite vidéo. Bon, une petite vidéo pêche au loup. On a quand même dur, hein, attention, hein, c'est dur. La vérité, c'est quand même dur. À la fin, j'ai pas filmé, mais ça fait une heure que je ratissais. Et puis, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas une attaque, rien du tout. J'ai eu la chance quand même de sauver la journée, j'ai sauvé la pêche. Tu vois, il y a deux jolis poissons corrects.
Et deux petits qui sont repartis à l'eau là. Donc voilà, donc ça, je repars avec deux beaux poissons. Je vais me faire ça à la plancha ce soir, je vais être content. J'ai passé une bonne journée. Et voilà, c'est quelques images. Bon, il n'y a pas grand chose, mais c'est quelques images qui vous feront plaisir peut-être. Peut-être me faire découvrir au nouveau. Bon, je n'ai pas expliqué un petit peu la technique, les leurres, les montages. Juste ce que je peux dire, c'est que les moulinets salistes chinois. Ça fait 2-3 saisons maintenant, ils marchent toujours très bien. Vraiment. Bien les graisser, tu vois, faut bien les graisser. Mais ça marche bien, je suis content. Ça fait le boulot. Voilà, pour moins de 100 balles, ça fait le boulot. Et puis la tresse PE08, là je prends de la YGK. Parce que je veux la tresse, c'est très important. Il faut une bonne fluidité. Arraché, je mets du 28.5 Seguar. Voilà. Allez! On s'en fout de tout ça, de toute façon c'est que du matériel. Moi je suis pas vendeur de matériel, hein, mais j'essaye quand même d'expliquer un petit peu pour que... Au cas où, si vous voulez savoir. Allez, je vous laisse YouTube, à très bientôt. Je vous aime. Et à bientôt.